Jodi am vini avec une recette spéciale pour nous. Si vous aimez cuisine ou pas travail ou bien vous cherchez travail ou pourquoi je ne travaille, eh bien préparez des desserts salés pour vendre. Je garantis la pion succès pour vous parce que il est vraiment bon et il est différent. Dessert salé pudding au lait concentré. Son dessert qu'on a servi en famille, il est vraiment vraiment bon. On a regardé recette là parce que nous connaissons toujours venir avec bagaille qui plus simple, plus facile là pour nous. Je commence la recette avec 200 g sucre blanc. Si vous ne pouvez pas préparer caramel, eh bien ça c'est préparation caramel. Ça son caramel, je vais le préparer là. Je quitte le sucre la fin fond net dans la chaudière là, ok? Immédiatement que le sucre la lui-même, il fin fond, qui ça va le faire? Je vais ajouter 200 ml de l'eau là-dedans. Immédiatement que je mets de l'eau, je mets de l'eau à tical, immédiatement que je mets de l'eau, on apprend que le sucre là encore, il vient former une boule. Pas inquiète, on va continuer à boire celle jusqu'à ce que le sucre là lui-même, il vient refondre. Immédiatement que je finis de mettre toute l'eau net, je bois celle-là, je fais sucre là fond encore, je vais quitter le fond petit bouillon, un petit temps, après ça, je vais retirer sous du feu pour me quitter le fret. Pas oublier pendant que vous regardez la vidéo, quitte un like pour nous dans la vidéo, le ça Facebook app tout. Je vous vois une notification pour vous, les que pas jouer cette plus, les publier une nouvelle vidéo. Pendant que caramel la frette, qu'on y a là, on a préparé crème noire. Moi, j'ai là 500 ml lait évaporé, 200 g crème fraîche, 395 g lait concentré. Avec ça, c'est gélatine sans saveur, ok, qui gagne environ 12 g. Préparation gélatine sans saveur là, moi mettel dans 30 ml d'eau normale, moi bois celle-là, immédiatement que me fin bois celle-là, qui ça me va le faire, me va le quitter le fait 30 secondes dans microwave. Moi ajouter crème fraîche là, lait concentré là avec lait évaporé, me va le quitter au blender. Pendant que y a blender, me gagne temps mettre gélatine là dans microwave là, après ça me va l'ajouter gélatine là dans blender pour tout blender ensemble. Moi quitté au blender pendant environ 3 minutes. Pendant à blender comme ça, m'ai temps préparé petit cop moins pour mettre. Caramel mon fin frais, m'bra l'ajouter une petite quantité dans chaque petit cop ça. Immédiatement que chaque petit cop yo est en jaune caramel pa yo, qui ça me fait, m'bra l'ajouter crème dans kounya. Nous que mettre crème nan dans yon godet qui pour faciliter tâche là pour moi pour yo pas se tomber. Et l'aime fin additionner crème nan, qui ça m'bra le faire? Bra le météo fait environ 3 heures de temps dans le réfrigérateur. Et après 3 heures de temps dans le réfrigérateur, recette là lui-même, il est prêt. Après 3 heures de temps dans le réfrigérateur, recette là est prêt. Kounya là, bra le goûter. On chire petit cop là en façon et puis moi mettre dans mon assiette. Faut me dire l'on passer cuillère. Dans un dessert comme ça, lire les pudding au lait concentré, c'est vraiment, vraiment bon. Quand y a là, si vous voulez faire pour vendre, vous pouvez définir qui, combien vous achetez. Lait concentré, combien vous achetez crème fraîche, lait évaporé, ou pouvez le faire, et petit cop là tout, combien, bakadou, combien pour vendre en Haïti, en sous-Brésil, vous pouvez vendre 1 real, 2 real. Tout le monde qui goûte, c'est coupé d'eau. Tellement bon. M'attend dans commentaire pour dire est-ce qu'on aime recette là, si vous avez fait pour vendre combien quoi vous avez fait et qui côté vidéo ça arrivé. Merci en pile, à une prochaine vidéo.